Toyota, ben, c'est assez particulier, ah, puisque ben, Toyota a choisi ben, CFAO comme partenaire, tandis que ben, Toyota a acheté déjà 100% des actions de la CFAO. Donc, ben, CFAO, ben, c'est quasi Toyota aujourd'hui, hein? Quasiment Toyota. Mais quand même, ben, Toyota n'a pas envoyé ben, les dirigeants japonais ben, comme directeur. Ben, c'est toujours, on laisse ben, les Africains gérer ben, sur CFAO à Kinshasa, partout ben, en Afrique. Tandis que d'autres pays, Mitsubishi et d'autres pays, avant de revenir vraiment massivement à RDC, ils ont choisi un des partenaires bien établis en RDC. Et ils essayaient d'acheter une partie d'action de cette société et ils coopèrent petit à petit. Je pense que Mitsubishi et maintenant les autres sociétés, Mitsui aussi, ils essayaient de prendre le pouls de la société congolaise. Et considérer à Tokyo, il est bien temps de revenir, oui ou non, c'est trop tôt comme ça, bah, il continue continuellement à bah, discuter à Tokyo.